un Chinois n'a point de doute. Cette fois, il aura satisfaction. Son projet est solide, comme de la pierre. Il n'attendra pas le dernier jour. Il y a aussi des inconvénients à la perfection. Ainsi, il n'aura pas de regrets. Il se dit, ce qui est petit s'en va, ce qui est grand vient. Une Chinoise se promène dans la plaine. Elle s'apprête à traverser un grand cours d'eau. Elle attend sur le sable près de la rivière. Elle patiente, les pieds dans la boue. Elle fait quelques légères observations. Elle se dit, il n'y a pas d'avantage à traverser à gué un grand cours d'eau. Un Chinois observe l'ordre déterminé, la régularité et la perfection de son jardin enclos sur la colline. Il aimerait pouvoir arranger ainsi sa barbe. Pour se rendre au jardin, il quitte la voiture et marche à pied. Il est imprégné et heureux. Il se dit, l'homme doué pense à la délivrance. Va et vient. La chute périlleuse, la répétition du péril, trébucher sur un buisson d'épines, tomber dans un gouffre ne l'effraie pas. Il ne craint pas d'entrer dans la fosse de l'abîme. Il se dit, l'abîme ne se remplit pas quand le fond est nivelé. Chinoise scrute l'influence de la lune près son plein. Elle a une foi inébranlable. Elle ne doit rien négliger dans l'emploi des sentences. Elle se lave les mains avant le sacrifice. Elle se dit, il faut se tenir à ce que l'on sait. Observe l'oiseau hong qui avance sur le rivage, montant sur les rochers, sur les arbres, sur une hauteur. Il boit, il mange, il est à son aise. Ses plumes peuvent être employées comme ornement somptuaire. Il se dit à la fin, rien ne le domine. Une Chinoise veut renverser sa casserole pleine, celle à anse de pierre fine et à oreilles jaunes. Elle ne veut pas donner à manger la graisse de la poule sauvage à ses enfants, mais son action est empêchée. Elle se dit, la forme mutilée est présage de malheur.